Bienvenue dans nos mercredis Moments Rose. Aujourd'hui, on fait connaissance, toi et moi. Alors, je vais te raconter un peu qui je suis. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore professionnellement, je suis Nancy Sainte-Marie. Je suis experte en beauté rose et j'ai choisi la mission d'aider les femmes à prendre un moment pour elles, de s'accorder de l'importance, de redécouvrir leur beauté naturelle, leur confiance, en faire grandir leur confiance en elles. Et je fais ça à travers les cosmétiques Mary Kay, parce que ce sont des cosmétiques de très haute qualité, qui sont abordables et qui ont une garantie 100% satisfaction. Donc, grâce à mon approche personnalisé et des cosmétiques Mary Kay, mais je suis certaine, absolument certaine de trouver ta routine idéale. Alors envoie-moi un petit cœur quand tu arrives. Alors j'ai un petit peu plus de technique, je ne sais pas si je vais voir les commentaires. Aujourd'hui, j'ai choisi vraiment qu'on fasse connaissance, de me livrer à toi complètement à nu, hein, comme on dit, et en toute simplicité, pour que tu saches un peu, ben, Colin, comment est-ce qu'on arrive à devenir ça? Comment est-ce qu'on arrive à vouloir partager, à baigner dans cet univers rose-là? Et j'ai choisi vraiment de le faire, là, comme tu vois, dans mon univers! Alors, voilà. C'est qui Nancy Sainte-Marie? Nancy... Dans le fond, j'ai eu une enfance très heureuse. Je suis l'enfant sandwich de trois enfants, évidemment. Donc, je suis la deuxième de trois filles. Donc, mon père a eu le malheur ou le bonheur d'être entouré de femmes tout au long de sa vie. Je suis l'enfant sandwich, donc j'ai une grande sœur qui a un an et demi de plus que moi, et une sœur plus jeune qui a 2 ans de plus de moins que moi. Ce qui fait que je suis l'enfant un peu effacé de la famille. Je m'efface beaucoup dès l'enfance. Je veux pas créer de vagues. Je suis très en retrait des autres. Je me découvre en tant que personne à travers ma grande sœur. Je la suis absolument partout. Comme un chien de poche, en fait. Et jusqu'à temps qu'on ait vraiment une coupure à l'adolescence, elle a fait des choix qui me correspondaient pas du tout. Et là, il y a une grosse cassure avec elle. Et là, je me retrouve en manque d'identité profonde. Parce que je me réalisais et je la suivais partout, hein? Donc, mon adolescence a pas été facile. Je suis une fille hyper sensible. Donc, tout ce que les gens me disent, tout ce qu'il y a autour de moi, je l'absorbe, hein, comme une éponge. Je l'absorbe beaucoup. Et il y a deux événements qui surviennent. C'est que là, on se trouve... En fait, fin des années 80-90. Et à cette époque-là, précisément, peut-être les plus vieilles parmi vous vont s'en souvenir, c'est une époque qui est très morose, hein? C'est fini, là, les bandes avec vraiment des pétards, des éclats, des foulards, hein, à l'Aerosmith, c'est terminé. On est en récession économique. La ville de Québec, à cette époque-là, c'est très... En fait, quand on monte la côte d'Abraham, il y a beaucoup de maisons abandonnées, placardées. Le carré de Deauville, c'est pas du tout ce qu'il y a aujourd'hui. Hein? Le Capitole, c'est un édifice qui est désaffecté. Cet endroit-là est plutôt occupé par le monde underground. Et c'est le monde dans lequel je glisse à l'adolescence. Le monde underground. Je suis en révolte. Et ça va me suivre jusqu'à la début vingtaine, assurément. Donc, je suis dans ce monde-là très noir. Hein? On est dans le grunge, le Eddie Vedder qui se regarde les pieds en chantant, qui est de dos derrière la caméra. Donc, on est vraiment dans cet univers-là.
jusqu'à presque mi-vingtaine. Je suis là-dedans et j'ai quand même un emploi qui est correct, qui est bien au point de vue du regard des autres. Je travaille chez Desjardins. Je suis agente de service, je fais de la réception, j'aide les conseillers financiers en arrière, je suis adjointe pour les conseillers financiers, donc j'occupe ces postes-là. Et bon, évidemment, on a vécu le bug de l'an 2000 qui était supposément une catastrophe informatique monumentale et j'accueille le nouveau millénaire, un pied encore dans mon monde underground et un pied dans ce qui est politiquement correct au regard de la société. Ça va durer jusqu'à la fin de ma vingtaine où dans le fond, j'ai ma fille, Jannick, que j'ai eue à 27 ans et que là, avec mon conjoint, on choisit d'embrasser le mode familial. J'ai fait un petit retour rapide sur les bancs d'école pour me perfectionner et bon, arrive le bébé, la maison, la carrière. Et là, j'entre, je saute, je bascule complètement de l'autre côté, c'est-à-dire je sors du monde underground et je bascule à pieds joints dans le monde du politiquement correct. Et ça va durer un autre bon 10 ans. Évidemment, j'occupe des beaux postes dans ce monde-là. J'occupe des postes à l'autorité des marchés financiers. J'occupe des postes dans des grands cabinets comptables en tant que technicienne en certification d'état financier et arrive le 35 ans. Alors moi, comme je viens d'un milieu qui est un petit peu, qui est plus démuni que la moyenne, on m'a pas appris à prendre soin de moi. C'était pas un univers que je connaissais du tout, l'univers des cosmétiques. Ma mère ne faisait pas ça. Et j'ai pas appris à prendre soin de moi. En fait, l'exemple que j'ai eu, c'est un exemple de dévotion. Ma mère se dévouait corps et âme à toute sa famille tout le temps, là, tu sais. Elle s'oubliait, elle s'oubliait complètement et puis elle faisait passer tous les besoins de la famille en avant d'elle. Et arrivée à 35 ans, j'avais comme cette urgence de dire non, 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 moi aussi j'existe. Je suis pas juste la mère de la famille. Femme de la fille de l'employé de. Alors, j'étais encore. J'étais. La révolte grondait encore en dedans de moi en me disant, mais je suis qui? Qu'est-ce que je peux accomplir d'autre? Et j'existe là. J'existe, je suis là, puis j'existe et j'ai pas envie du tout de toujours faire passer les besoins des autres. Avant les miens, et c'est avec ma conseillère Monia que je salue. Allô Monia, je parle de toi. Donc, elle m'a appelée, je pense qu'elle m'avait appelée 3 ou 4 fois pour que je découvre les produits Mary Kay, puis mon Dieu qu'elle m'énervait. La première des choses, c'était une belle femme, elle m'énervait. Elle arrivait de ce monde-là rose, tu sais, tout est beau, tout est. Elle me tapait ses nerfs. Elle me tapait ses nerfs, puis je suis allée chez elle, en fait, là, en toute franchise. J'avais beaucoup de préjugés sur Mary Kay, sur cet univers-là. Puis, moi, je suis allée chez elle complètement me débarrasser d'elle. Tout ce que je vous raconte, là, elle sait, là. Elle est au courant. On en rit aujourd'hui. Tu sais, je me suis bien débarrassée d'elle. C'est devenu ma meilleure amie, là. Mais, moi, elle m'a rappelée, puis je suis allée chez elle me débarrasser d'elle. Et quand je suis arrivée chez elle, j'ai dit, bon, ben écoute, ben moi, je suis ici, j'ai pas de temps à perdre. Tu sais, j'étais une fille professionnelle, puis j'avais cette facette-là.
devant les autres. Et je tout bien d'être. Tu sais que ça vaille le coup ton affaire, là. Et elle m'a pris tout en douceur, tout en calme, tout en accueil. Puis elle a fait la pause beauté avec moi, elle m'a fait découvrir comment prendre soin de moi, comment m'accorder un petit 2 minutes à chaque jour. Tu sais, c'est pas grand-chose, là. Hein? Un petit 2 minutes, s'accorder un petit 2 minutes à chaque jour, c'est pas grand-chose. C'est de le faire régulièrement qui est un petit peu plus. Qui est le défi, en fait. Donc, elle m'a appris ça. Et je suis repartie de chez elle, j'étais conquise. Mon cœur était complètement conquis. J'ai adopté cette routine-là de Mary Kay parce que c'était simple, c'était efficace. J'ai vu un changement sur ma peau, j'ai vu un changement sur ma posture, ma façon d'être, ma façon de dégager chez les autres aussi. Et j'ai adoré les produits. J'étais une cliente pendant 5 ans. 5 ans, très facilement. J'adorais les produits, mais j'en avais encore, beaucoup de préjugés face à l'univers Mary Kay. Alors, je m'étais déjà arrêtée aux produits, puisque, bon, j'avais des préjugés en face de la femme qui se trouvait devant moi, parce que j'avais besoin d'un revenu qui était qui convenait à ma situation, donc pour être la coéquipière de mon conjoint, donc la maison, la famille, tout ça, tu sais, j'avais besoin d'un bon revenu, puis je gagnais un bon revenu là, avec mon travail de technicienne en certificat d'état financier. Je gagnais un bon revenu, mais tabarouette, c'était difficile, la conjugaison, travail, famille, les horaires. Jannick à l'école, Jannick qui pratiquait un sport qui demandait quand même de se déplacer 4 fois semaine. Donc, ça me demandait beaucoup de temps, ça me demandait beaucoup d'énergie. Et fin trentaine, je vais vous dire, j'étais sur le bord de l'épuisement. Sur le bord de l'épuisement, Jannick voulait, ben, voulait commencer le secondaire. Puis pour moi, l'éducation, ça a toujours été une valeur qui était très importante. Puis elle réussissait, Jannick, elle réussissait bien à l'école, là. On ne peut pas dire qu'elle me demandait de l'énergie pour faire ses devoirs, ses leçons. Je pense que depuis 3e année, je ne me suis pas assise avec elle pour l'aider dans son cheminement scolaire. Donc, cette situation-là étant. Je la voyais évoluer, puis je me disais, mon Dieu, elle va, le secondaire, elle va tellement faire le minimum, parce qu'on est toutes comme ça, si on peut faire le minimum, on va le faire, puis elle va passer à côté de quelque chose, tu sais. Donc, quand Monia m'a reproposé de devenir conseillère Mary Kay, j'avais ça devant moi, puis j'avais besoin d'un surplus monétaire pour le secondaire. Fait que j'ai dit oui. J'ai dit, écoute, je suis pas plus pire qu'un autre. Je suis aussi bonne que. Tu sais, dans ma tête, j'étais aussi bonne que la fille qui était devant moi. Peut-être même plus. Ça, c'est un autre sujet. Ah, oh. C'est vraiment un autre sujet. Mais, fait que j'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai dit, regarde, moi, je vais ramasser les sous nécessaires pour l'école secondaire. Ça me fera ça. Puis, elle m'avait dit, à l'époque, elle m'avait dit, écoute, ça te prendra pas beaucoup de ton temps. Elle m'avait dit que j'aurais des déductions d'impôts. Puis quand j'avais regardé avec le background que j'avais, ça fait comme, ouais, effectivement, il y a de l'argent à aller faire là aussi. Et elle m'avait dit, ben écoute, tu vas te faire des amis. Tu vas te faire des amis de filles. OK? Ça, c'était le bout, peut-être le plus difficile pour moi parce que j'avais pas d'amis. J'avais presque pas d'amis autour de moi. Ça me suivait depuis le secondaire. Au secondaire, j'avais des amis à l'école à qui je jasais, mais j'avais pas d'amis le soir, la fin de semaine. J'avais pas d'amis pour faire mon bal de finissant. J'avais, tu sais, j'avais pas d'amis. J'ai jamais eu beaucoup d'amis.
Et je les ai toujours très bien sélectionnés, par exemple. Mais, elle dit, tu vas te faire des amis. Tu vas voir, les filles, c'est le fun. Puis moi, ce que j'avais comme background de gang de filles, c'était, ça se bitch dans le dos. C'est du memoring. En tout cas, je sais pas si je vais fitter dans cet univers-là. Mais on... Bref, j'allais à mes soirées de succès et j'ai découvert des femmes avec des défis. Des femmes qui, comme moi, vivaient de l'épuisement professionnel. Des femmes qui avaient envie de se réaliser autrement, qui se sentaient étouffées par le poids de tous les chapeaux qu'on porte. Hein? Le chapeau de la conjointe, le chapeau de la femme professionnelle, ou tu sais, la femme qui doit tenir sa famille. C'est épuisant, ça, les filles. C'est épuisant. J'ai découvert des femmes qui avaient des défis à relever au point de vue personnel, de la gêne, des femmes qui voulaient, qui étaient tannées, là, tu sais, de dire « Ah, oh, ben moi, je suis gênée, puis je peux pas faire ça. Ouais, mais toi, c'est pas pareil. » Tu sais, des femmes qui avaient envie que tout à coup, il y ait des choses qui soient possibles, puis que tout à coup aussi, ce soit pour elle. Et c'est vraiment à cet instant-là, quand je suis allée à la rencontre de ces femmes-là, que je me suis intéressée à elles, que je me suis mise à les côtoyer à travers les soirées de succès, à travers les conseillères étoiles, à travers donc tout ce que Mary Kay peut offrir, que Mary Kay est entrée dans mon cœur. Et que là, je suis tombée, mais tombée à deux pieds joints dans cet univers rose-là et que j'ai eu envie de le transpirer, de le faire connaître. Et c'est là que j'ai embrassé ma carrière et que j'ai voulu endosser le blazer de directrice, que j'ai choisi de le faire. Que j'ai choisi d'endosser cette mission-là, de prendre chacune des femmes, parce qu'on a chacune nos défis, de prendre chacune des femmes autour de moi et leur dire « Oui, toi aussi, tu sais, tu peux, il y a des choses qui sont accessibles. » On a tous, toutes des projets qu'on laisse en suspens parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas d'argent, parce que c'est pas le moment, parce que, écoutez, toutes les raisons sont bonnes, puis à côté de ça, là, à côté de tout, c'est parce que là, parce qu'on veut se réconforter puis se dire qu'on est correct avec nous-mêmes, ben la vie passe. Puis elle passe à une vitesse phénoménale. Alors, c'est ça. Maintenant, j'ai 46 ans. Et je trouve que c'est un âge qui est magnifique. Chaque âge, je pense, réserve ses plaisirs, mais 46 ans, c'est magnifique parce que j'ai de la liberté. Hein? Ma fille, maintenant, est grande, elle n'a plus besoin de moi autant. Hein? On n'est plus dans les soins, tout ça. Et c'est un moment fantastique de la voir devenir la femme qu'elle est en train de devenir. Puis j'ai encore de la jeunesse. Et j'ai envie de faire profiter de cet univers-là autour de moi à plus de femmes. Parce que chacune des femmes est importante. On a chacune une importance, un rôle à jouer autour de nous. Et je pense sincèrement que à travers l'univers de Mary Kay, on devient une meilleure personne, on devient une meilleure amie, on devient une meilleure épouse, on devient une meilleure mère, on devient une meilleure personne. Alors, voilà. Ça fait...
Ça fait un 23 minutes que je te jase de moi. C'était ma mise à nu devant toi. J'espère que tu vas te reconnaître à travers ça. Que tu vas mieux comprendre un peu mes étoiles qui brillent dans mes yeux quand je te parle de mon univers rose Mary Kay. Hein? On est tout le temps très heureuse, un peu trop rose ou un peu. C'est pas parce qu'on voit la vie, c'est pas parce qu'on fait un déni de ce qui se passe dans la vie, c'est qu'on nous apprend à voir puis à s'attarder sur les belles choses de la vie. Alors voilà, je t'embrasse, je te dis merci d'avoir écouté et puis on se dit à mercredi prochain pour un autre moment rose. Puis là, on va y aller en produit. C'est sûr, je vais avoir quelque chose là, vraiment d'excitant pour toi parce que oui, mes étoiles vont encore briller pendant un moment. Je t'embrasse, je te dis bye bye.